Si Khloé Kardashian cherche à souligner quelque chose, on pense qu'elle fait clairement passer le message. Pendant qu'elle fait les boutiques avec ses sœurs, la star de télé-réalité porte un long manteau en fausse fourrure avec les mots « Kiofer » écrits en rouge au dos. Le Daily Mail rapporte que la star, qui proteste depuis longtemps contre la fourrure, soutenait la PETA jusqu'au jour où sa sœur Kim a été recouverte de farine par un protestataire en 2012. Quand il a été révélé que le perturbateur avait des liens avec eux, elle a coupé les ponts parce qu'elle ne voulait pas soutenir une organisation qui approuve le harcèlement. Elle ajoute « Non seulement la PETA a menti au public, mais ils ont prouvé qu'ils soutiennent ce genre de comportement. » Même si la star de 29 ans ne soutient plus la PETA, il est clair qu'elle est contre la fourrure. Elle écrit à côté d'une vidéo d'elle dans son manteau « Toujours de la fausse fourrure !»